Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne C'est Bricole, présent sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide, on change complètement de sujet, ça va être du jardinage. Je vais te montrer comment repiquer des plants de tomates. Donc en fait, dès l'instant où tu les as semés, tu as ta tige qui pousse et je vais t'expliquer le repiquage pour que ton plant de tomates soit bien musclé et qu'il tienne bien après une fois quand tu vas le planter, qu'il soit bien costaud. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je te dis, on y va, tchuss! Petite vidéo, tu vois, je suis en train de rempoter les tomates. C'est une opération qui est assez importante parce que tu vois, regarde, elles ont bien poussé, tu vois. Ça te fait une tige qui est assez longue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait une tige qui est toute rouge là, avec des petits poils. Bon, c'est vrai que c'est pas très visible à la caméra si on les voit un petit peu, tu vois. Et en fait, ces petits poils là, c'est des futures racines. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu désempotes cela et que tu replantes la tige de tomate, mais beaucoup plus profonde dans la terre. Donc en grosso modo, ça je te montre, c'est avant. Et ça, c'est après. Tu vois, la tomate, je l'ai complètement enfoncée. Donc ça, c'est une opération importante. Si tu veux avoir un plant bien solide, bien costaud et qui pousse bien, il faut passer par là. Voilà. Donc en fait, quand est-ce que tu fais ça? Eh bien, quand tu as quatre feuilles. J'ai les deux feuilles de la graine et les deux nouvelles feuilles qui sont là, qui t'indiquent que c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. Allez, je te fais un petit visu là. Je te fais l'opération sur un plant. Ok, alors comment ça se passe? Tu prends un gobelet d'eau comme ça, tout simple. Tu fais ton tas de terreau. Tu remplis grossièrement ton pot comme ça avec ton terreau. Et tu fais rota bien qui déborde comme ça là. Voilà, tu vois, ça déborde. Après, ce que tu fais, c'est que tu prends ta tomate que tu as désempotée. Elle est là avec ses petites racines là. Et tu la poses sur le tas comme ça, couchée. Et après, ce que tu fais avec ton pouce, tu appuies et tu la rentres à l'intérieur. Tu redresses un peu les racines comme ça là. Tu l'écartes un peu et tu viens enquiller au fond comme ça. Et tu la laisses un peu dépasser. Crac, crac. Et l'opération, elle est réussie, tu vois, ta tomate, elle est enterrée, elle va pouvoir pousser proprement. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu, ça permet de donner de la motivation et de me référencer sur YouTube, toutes mes vidéos. Ensuite, tu mets un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas, tu peux marquer aussi dans le commentaire comment toi tu procèdes au niveau de tes plants de tomates, si tu connaissais cette petite subtilité. Bah écoute, je t'invite à faire de même. Ensuite, n'hésite pas, tu partages sur les réseaux sociaux, ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Et surtout, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner, tu cliques également sur la petite cloche avec les accolades, ça permet que tu puisses recevoir toutes les nouvelles notifications des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, bah écoute, sur ces belles paroles, moi je te dis à très vite. Tchuss les winners!